On se retrouve dans le petit village en Norvège. Toujours aussi beau ici. Et voilà, je suis arrivée à Bergen et je suis dans le quartier de Bryggen. Donc en fait, c'est de vieilles maisons en bois toutes collées qui sont jaunes, oranges, rouges. Et entre les maisons, on peut avoir des escaliers, des rampes. C'est vraiment très très étroit. Et de toute façon, vous allez le voir sur les images. Je suis allée manger à Bergen, je suis allée sur le marché poisson et j'ai pris un burger au saumon qui était super bon. Et après avoir fait la conversion euro-couronne, j'ai vu que ce burger coûtait 25 euros. Je fais ouf, un peu cher, mais bon, je l'avais déjà commandé et j'avais déjà commencé à le manger. Bref, j'ai un peu regardé ce qu'il fallait que je fasse, où est-ce que j'aille. Donc je vais aller à Sandfjord et je vais me diriger vers l'Aeronsidal. Je me souviens plus du nom. Et après, je vais rouler donc jusqu'à là-bas pour pouvoir faire du kayak, j'espère, s'il fait beau, et pour voir la suite des fjords, les églises en bois et cascade qui sera sur la route. Le GPS m'a fait prendre un chemin qui évite les radars et il m'a fait prendre un chemin de montagne très très escarpé où normalement il n'y a qu'une voiture qui passe, mais il y en avait deux. Et il y avait genre la falaise, j'étais en mode oh mon dieu, je vais mourir. Et puis je suis arrivée sur un plateau, il a fait tout d'un coup tout beau, il y a un lac juste là devant moi, une cascade là, je trouve ça random, mais waouh! Mais waouh! Je suis arrivée au fjord de Jarinsfjord. Bon, je saurais pas vous le dire, mais c'est super beau. Après la route que j'ai eue, j'ai trop de chance. Il y a eu un moment où il y avait une forêt toute orange et derrière il y avait les montagnes enneigées. J'étais en mode, oh, c'est magnifique! Du coup, voilà, je suis arrivée à Jørgensfjordur. Normalement, on peut prendre le ferry pour visiter tout le fjord, qui est apparemment le plus beau fjord du monde. Mais je vais continuer un peu la route, aller un peu plus loin vers la haute terre. Je vais me trouver un spot pour la nuit et demain je vais essayer de faire du kayak sur le fjord. Et après, je pense que je vais peut-être prendre un ferry qui me permettra en fait de visiter le fjord et d'arriver de l'autre côté, ce qui me permet de continuer ma route vers les glaciers. Pour ce soir, après une longue journée où j'ai pu rouler parmi les fjords, dans les montagnes, franchement les paysages en Norvège en automne, ils sont magiques et en plus il n'y a personne. Du coup là je me suis allée jusqu'à Lærdal, on va dire ça comme ça.
comme ça. Et c'est là où je devrais prendre peut-être un ferry. Je vais voir les prix demain. Je voulais faire du kayak, mais il n'y a pas de kayak. Mais je ferai du kayak, je pense, à Geringander. J'ai vu sur internet que c'était possible. Et ce soir, eh ben, c'est chill day. J'avoue que j'ai pas envie de faire le montage et je me suis remis en mode nuit. Je crois que vous aviez jamais vu le mode nuit en mode bien rangé, pas en mode sac à merde. Donc ce soir c'est Lazy Day. Je vais me regarder Malcolm. Je vais me boire mon avant-dernière bière. Je me suis fait des noodles. Et j'ai acheté des giflards à la cannelle. C'est genre des... Comment on appelle ça déjà? Des cannelle bulles? Non, des... Si, c'est des viennoiseries à la cannelle. Et ça existe en France, mais ça c'est norvégien du coup. Mais la dernière fois que je suis venue en Norvège, j'avais pris ça et j'avais bien aimé. Du coup, ça c'est mon dessert. J'ai une noodle, j'ai la bière. J'avoue que ce soir, c'est un bon chill. Normalement demain je fais pas 30 km, je vais du coup en face de l'autre côté du fjord, en ferry ou en voiture, ça dépendra du prix du ferry. Et après je me dirige vers le glacier de Jodal. Lui il est facile à dire si je me trompe pas, c'est Jodal. Et comme ça, après demain je ferai ma rando à Jodal et je pourrai redescendre à Geringander. Et après Geringander, je me dirigerai vers Oslo parce que ça sera la fin du voyage en Norvège. Et après à Oslo, je prendrai un ferry qui m'amènera, je l'espère, en Allemagne. Parce que j'ai pas trouvé de ferry de Norvège à Pologne. Donc si je voulais directement en Pologne, il fallait que j'aille retourner en Suède, soit à Stockholm, soit tout en bas de la Suède, donc ça faisait beaucoup de route. Alors je me suis dit pourquoi pas Oslo, de toute façon j'avais passé par Oslo et je descends à Kiel, donc en Allemagne, et après je vais en Pologne. Voilà, sur ce je vous laisse, je vais chiller, donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Bye!